Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 24 mars? Il est tout juste 11h, il fait 9 degrés, c'est nuageux, il fait froid. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en voiture et je suis morte. Je vous explique. Déjà, premièrement, je me suis réveillée à 5h30 du matin. Plus moyen de dormir. Donc, je suis descendue. Mais 30 minutes après, Sandrine était KO. Donc, je me suis endormie dans le canapé jusqu'à 9h30. Mais franchement, je suis fatiguée parce que... Bon, on dort pas bien hein, dans le canapé. Hein, faut dire ce qui est. Hein. On dort pas très bien. Du coup, je me suis levée, je me suis préparée. Et je me suis dit, je vais aller chercher... des petits pains parce que j'avais envie de petits pains, pas au chocolat, hein, c'est autre chose, à la crème, voilà. Et je sais que chez Intermarché, ils en font des bons. Donc je suis venue pour ça. Mais pas que, parce que hier j'ai oublié d'acheter des goûters, à part les princes, mais pour ma semaine, j'ai oublié. Donc je me suis dit, bon, je suis levée, j'ai rien à faire. Tout le monde fait encore dodo, donc je vais aller à Intermarché. Je suis arrivée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le parking archi blindé. Je suis essoufflée, tellement que j'ai marché vite. J'ai resté une heure hein, pour 5 bricoles. Donc j'arrive et là, blindé, mais alors à gogo, hein, j'avais jamais vu ça. On aurait dit que c'était la période de Noël. Oh, je crois que c'était la queue là. Et du coup, je rentre dans Intermarché. Oh, blindé, blindé. Mais vous aurez vu les caisses. C'était phénoménal. Même pour les articles, enfin la caisse de moins de 10 articles, bon, c'était même pas la peine. Hein. C'était blindé quoi. Donc j'ai pris mon mal en patience, hein, comme tout le monde. Et j'ai fait la queue. Et ben j'ai resté 40 minutes presque, même une heure moi je dirais. Hein, que franchement je me suis préparée et je suis partie vite fait. Hein, tout ça pour quelques bricoles quoi. Mais bon j'y étais, du coup j'ai dit bah tant pis. Hein. Et encore, il me fallait encore des petites choses. Je me suis dit, allez Sandrine, va attendre là. C'est pas la peine parce qu'en plus je dois aller à grands frais et à la boucherie. Parce que cette semaine, j'aurai pas le temps. Donc... voilà, comme on va être que deux, les enfants partent, hein, je vous l'ai dit, partent à Dubaï mercredi. Donc j'aimerais que ma semaine là soit vraiment tranquille. Vous voyez que je me repose, que j'ai pas besoin de me dépêcher à faire des courses ou à manger. Voilà, vous avez compris, on sera qu'à deux. Donc oh, j'ai vraiment une seule tête, hein, avec le vent en plus. Du coup, ouais, j'aimerais vraiment au pire faire ma maison, ce que j'ai à faire. De tout ce que j'ai pas fait depuis hein? Voilà et puis du coup bah ouais j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est con hein, parce que j'ai ton magasin hier hein. Mais bon tant pis hein. Tant pis au moins de toute façon comme je dis il manque toujours un truc et c'est pas ça mais moi des fois je pense à un truc et j'ai envie de le manger et j'en ai pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vais passer à Grand Frais. Je vais passer à la boucherie. Après, je rentre. Et après, on fait le cosso et le kéfir. Et après, je vais en mettre un en route tout de suite après, hein, de kéfir. Vous allez voir comment je vais faire. Et aussi, je vais faire mes petits fromages. Vous savez, j'avais acheté de la faisselle. Et c'est pour faire des petites boules de fromage frais aromatisé dans de l'huile d'olive. Et voilà, je vais préparer ça aussi. Si je ne suis pas trop fatiguée tout à l'heure, parce que vu la nuit que j'ai passée, c'est incroyable. Mais ça, j'ai tellement l'habitude de me réveiller à l'heure là, quand je pars en séance. Ben c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. En rentrant, je vais boire un bon petit café. Je vais déjeuner mon petit pain
à la crème. Alors en fait, au-dessus, normalement, il y a du sucre glace, mais là, j'en avais plus. Donc j'étais dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'en ai pris quand même, comme ça, je vais en prendre pour moi demain la séance. J'en ai pris 4 en tout. Et puis quoi? Ah oui, et j'ai pris un autre gâteau pour emmener chez Amélie cet après-midi pour le goûter. Voilà, enfin, je vous ferai montrer de toute façon. Il fait 10 degrés, hein, mais enfin, tout à l'heure il faisait 9, là je roule, il fait 10. Mais c'est le vent, hein. Franchement, c'est le vent qui est emmerdant. Alors au début, c'est vrai que je voulais pas partir. Puis après, j'ai dit, tout le monde fait dodo, je vais pas attendre là à rien faire, autant d'aller faire ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Hein. Là, comme ça, je suis tranquille, j'ai fait tout mon menu de la semaine. C'est cool. Je suis tranquille. C'est pour ça qu'il faut que je vais à la boucherie, parce que j'ai besoin de ma viande pour mercredi. Mais j'ai pas envie d'y aller mardi en fait. Alors je préfère tout faire, comme ça j'aurai tout dans mon congélateur et cette semaine j'aurai rien à faire. Point de magasin, rien du tout. On croise les doigts. Mais normalement ça devrait le faire. Mais c'est vrai, il manque toujours un truc. Et puis on est au magasin, on est tenté en vérité. On est vraiment tenté. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour manger. Hein, donc. Ouais, tant que c'est pour manger, il n'y a pas de gaspillage à la maison. Hein. Puis maintenant que Eric a repris le boulot, eh ben, il prend à manger le midi, hein, donc il faut lui faire des repas. Hein. Ouais, la voiture elle est passée super vite, elle est au moins à 180. Il va perdre le contrôle, il va rien comprendre parce que le vent est fort quand même. La police elle serait là, ben, il n'y a plus de permis. Hein. Oh là là. Oh là là, puis le pire c'est qu'il prend la sortie, tout ça pour rien. C'est bête. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, Vincent n'est pas très bien, il a super mal à sa gorge. Du coup je lui avais donné des pastilles, du coup je lui ai dit qu'il vient à la maison tout à l'heure. Je vais sûrement aller, enfin, je vais aller le chercher quoi. C'est pas sûrement, c'est que c'est sûr. En revenant je vais le prendre et puis... On va manger un petit bouillon cubeur avec des vermicelles, ça va lui faire du bien à sa gorge. Allez, à toutes. Bon les amis, je vous reprends pour vous faire le retour de course. Bon, je suis rentrée depuis un moment, là il est 13h, je suis rentrée, j'ai déjeuné et j'ai fait mon kéfir. Donc je ne vous ai pas filmé parce qu'ils étaient tous en train de déjeuner. Et il fallait que j'aille vite parce que c'était déjà assez bien fermenté. Donc j'ai tout, mais j'ai pris en photo, hein, donc je vous ai pris en photo. Donc là c'est bon, le kéfir est au frigo. J'ai nettoyé mes graines de kéfir. J'ai mis en bocal avec du sucre pour les laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui j'en ferai plus. Je vais attendre demain pour goûter, pour voir si on aime. Et je pourrai continuer ainsi de faire du kéfir. Le cosso, trop bon. Franchement, trop bon. C'est bon, j'ai récolté que ça, vraiment pas beaucoup. Mais j'ai pu en mettre dans mon kéfir. Et là, je viens d'en boire avec de l'eau. Donc, c'est trop bon. Donc, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais faire avec des fraises. Mais je vais vraiment attendre que les fraises soient vraiment du bon moment, en fait. Et puis pas les payer trop cher parce que sinon après... mais bon, après je vais pas les jeter parce que je ferai de la confiture. Et puis sinon au pire je referai avec du citron. Voilà. Alors là, c'est parti, je vous montre les courses. Alors on va partir par Intermarché. C'est là que j'avais passé plus de temps, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai pris une tablette de chocolat Merveille du Monde. J'en avais trop envie et ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi pour mes petits déjeuners de la semaine du muesli croustillant à la myrtille et baie de goji de la marque Kaker. Comme ça qu'on dit Kaker. Donc ça va donner vraiment trop envie. Il y a tout ça dedans.
Alors, vous avez l'avoine complète, blé et orge, baie de goji et myrtille et des graines de courge. Donc moi, je vais manger ça avec mon petit suisse. Ouais, ça m'a vraiment donné trop envie. Ça, c'est pour moi la semaine. J'ai décidé de prendre aussi des céréales pour moi, les séances. Donc j'ai pris des petites boîtes comme ça. Alors, je suis pas très fan, mais des petites boîtes comme ça, ça passe. Voilà, donc j'ai pris un lot comme ça. Alors vous avez des Coco Pops, Miel Pops. Alors les Miel Pops, je les aime beaucoup. Les Frosties, ça passe aussi parce que c'est un peu sucré. Coco Pops encore. Et en fait, il y a deux boîtes de chaque. Et ensuite, j'ai pris ceux-là. Ceux-là, ils me donnaient trop envie aussi, les Crunch. Chocapic, ça c'est des Cookie Crisps. Et là, c'est des Nesquik, Chocapic et des Lion. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a un paquet de chaque ici. Donc ça sera pour moi la séance. Ensuite, j'ai pris des palets de dames. Alors, ils sont plus petits que chez mon pâtissier, mais beaucoup moins chers. Donc, je vais goûter, voir ce que ça vaut. Hein. Peut-être que ce n'est pas le même goût. Je vous dirai ça. Dedans, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il marque. Ah oui, 4 palets plus 1 offert. Alors, c'est pur beurre et c'est fabriqué artisanal. M'a donné envie aussi. Et j'ai pris ça. Alors d'habitude, je les prends en Belgique et je les ai trouvés par ici. Les gâteaux aux œufs. Donc j'étais contente. Ils font même au chocolat, mais je préfère ceux-là, les natures comme ça. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc. Par contre, il vient d'être tombé le rôti. Tu pourras le ramasser, Julie. Il est tombé là. J'avais acheté ça la dernière fois. Non, il est tombé ici sur la chaise peut-être. Rôti de porc de la marque Madranche, je l'avais eu à moins 30% ou je ne sais plus à combien. Et franchement, il est trop bon. Donc j'en ai repris parce que franchement, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai mangé les 4 tranches. Donc j'en ai repris et j'ai pris 2 paquets du coup. Voilà, 2 paquets. J'aime beaucoup celui-là, il est trop bon. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah bah ça. J'ai été dans le rayon bio et j'ai trouvé de l'hibiscus en fleurs. Pour faire justement mon kéfir. Voilà. Alors c'est bon pour la circulation, ils disent ça. C'est bien, je ne savais pas. Dedans il y a 100 grammes. C'est pas donné ça quand même. C'est 100% fleur d'hibiscus. Voilà. Alors on peut le faire en infusion. Voilà. Conserver dans un endroit sec. Nananini, nananana. Et nanani, et nanana. D'accord. Voilà, moi c'est juste pour faire ma limonade. Pour Intermarché, c'est tout. Vous voyez, j'avais pas grand chose quand même. Hein. Et j'ai resté presque 45 minutes. Hein. Si c'est pas plus, hein. Franchement, c'était affolant. Ensuite, je suis partie chez Grand Frais. Donc là, j'ai pris l'oignon semoule. Alors moi, j'ai pris déshydraté. Parce que on sent mieux les saveurs que lyophilisé, là. Ouais. Donc ça c'est meilleur, c'est pour faire mon fromage frais avec, vous savez, la faisselle. Donc ça je vais le faire cette semaine, hein, parce que là aujourd'hui j'aurai pas le temps. Et puis j'ai pas le courage. J'ai repris de la fleur de sel de Guérande, que j'en avais plus. Et moi j'utilise plus le sel là dans mon assiette que du sel fin. Celui-là est beaucoup. Il est bien meilleur. J'ai pris un filet de citron vert pour faire mon kéfir. Donc demain, c'est citron vert et citron jaune. J'ai repris un filet de poivrons pour faire les pizzas et autres. Donc je vais les préparer demain aussi, ça. Ici, j'ai pris un mélange pour poisson. Oignon. Ail, herbe. Alors j'ai pris ça aussi parce qu'en même temps, quand je ferai mes Saint-Jacques au bouillon, ben, je mettrai un petit peu de mélange pour poisson. Ensuite, j'ai pris des carottes que j'en ai besoin pour aujourd'hui et pour faire ma soupe à la tomate. Alors c'est pas trop une soupe, hein, c'est plutôt un velouté. Hein.
De toute façon, je vous dis les menus de la semaine tout de suite après les courses. J'ai pris un bouquet d'oseille. Moi, j'aime trop ça, moi, l'oseille. D'ailleurs, je vais même en mettre dans mon potager cette année. Parce que j'aime trop. C'est trop bon. Je vais manger. C'est trop bon. J'aime trop. J'ai pris 4 bananes. Pour moi, la séance également. Enfin, pas les 4. Hein. J'ai repris des champignons pour la pizza et pour mon menu de ce soir. C'est trop bon. Ici, ça m'a donné envie aussi des radis équeutés directement, tout fait, quoi. À grignoter ou à la croque au sel avec du pain et du beurre. Oh, c'est trop bon ça. Puis vous avez vu, je vous ai fait la photo aussi de ce matin pour le pain. J'ai trop réussi, je suis trop contente. Donc voilà, des petits radis. Et ici, j'ai pris du poisson. Alors, je ne connais pas. C'est du filet de lingue bleu. Je ne connais pas du tout. Il était en promotion à 11,99€ le kilo. Donc ça, c'est pour nous la semaine. Et j'en ai pris que deux, hein, parce qu'on sera qu'à deux. Donc, c'est ça. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'arête, parce que c'est pas écrit. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Donc, on verra bien. Filet de lingue bleu. Je ne connais pas. Voilà pour grand frais. Ensuite, je suis allée à la boucherie. Là, pareil. Hein. J'ai pris un kilo d'ailes de poulet. Hop. Des ailes de poulet parce que j'avais acheté une sauce barbecue. Et je suis pas très fan. Donc, je vais faire ma marinade avec la sauce barbecue. Ici, j'ai pris un kilo de filet de poulet. Pour mon menu de la semaine également. Et là, j'ai pris du jumeau et un morceau de paleron. Ça, c'est pour mon menu de ce soir. Je vais faire un genre bourguignon avec des carottes et des champignons. Quoi ? Je dis faire un bourguignon plutôt qu'un genre. Non ? Bah quoi ? Bah si, parce que... Ça se dit pas. Ouais, mais un bourguignon, ça se fait avec la viande à bourguignon. Ouais, on dit pas un genre. Bah si, un genre. Moi, je fais un genre. Il y a toujours un truc à dire, ce mec. C'est pas possible. Est-ce que je me mêle de tes courses, moi? Ouais. Hein? Bah voilà. Et pourquoi? Parce que t'en fais pas. Absolument. Bon, voilà. C'est tout pour la boucherie. Voilà. Donc là, on est bien, je pense. Hein. Même plus que bien. Allez, je vous montre les menus. Alors, voici les menus de la semaine. Alors, pour demain... J'ai prévu des macaronis au fromage, c'est-à-dire macaronis au gruyère, hein, à l'emmental râpé, avec des côtes de porc. Donc j'ai fait le genre de bourguignon, mais ça c'est pour Julie en fait. Bon après il y en aura pour nous aussi, hein, mais voilà, nous ça sera côtes de porc. Mardi, pommes de terre farcies, jambon, champignons, avec de la salade. Donc je vais... faire un genre de pommes de terre... comment ça s'appelle ça déjà? Maquère. Pommes de terre maquère, je ne sais pas si vous connaissez. Et je vais le farcir avec du jambon et des champignons. Et on fera une petite salade à côté. Mercredi, je vais faire des bouchées à la reine au poulet. Et je vais servir avec du riz. Alors je vais mettre des champignons également. Hein. J'aurais dû écrire champignons ici et le riz après, mais bon, c'est pas grave. Jeudi, une soupe tomate avec des boulettes. Alors, je vais faire des petites boulettes d'hachis, vraiment des petites, hein, pour mettre dans ma soupe. Je vais faire des tartines
de pain avec une crème beurre ail et je vais mettre de l'emmental râpé que je vais passer au four. Et vendredi, ça sera le poisson. Alors, j'avais écrit cabillaud parce qu'à la base, c'était du cabillaud. Mais comme j'ai trouvé ce poisson-là, et ben, ce sera ça avec la sauce oseille et des pommes de terre et peut-être pour moi des brocolis. Voilà pour la semaine du lundi au vendredi. Alors, comme d'habitude, samedi, dimanche, je n'ai pas noté. Tu sais que c'est la méthode qu'on a toujours. Alors, voilà pour les menus de la semaine. Donc, bon, après... Bon, j'ai mis les menus là, mais comme on va être qu'à deux à partir de mardi soir, peut-être que ça changera, peut-être qu'on aura la flemme de faire ce repas-là et on mangera une tartine, à voir. Mais en tous les cas, ça sera reporté pour la semaine d'après. Le soleil arrive, ça fait du bien. Allez, je range mes courses et je fais mon linge. Ouais, je vais faire mon linge, parce que j'ai du linge à plier. Et puis, mon repassage, je devais le faire aujourd'hui, mais j'ai encore la flemme. Franchement, ça fait une semaine qu'il est là sur mon tabouret. Vous le savez, je vous l'ai fait montrer. Demain, on est lundi, donc pour moi, ça va être un truc de dingue demain. J'en ai peur déjà. J'ai déjà peur d'aller me coucher ce soir parce que je sais que je ne vais pas dormir. Déjà, cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Et demain, ça va être difficile. Donc, on va tout faire pour qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire dans la maison pour demain. Comme ça, je pourrai me reposer. Allez, je range mes courses et je vous reprends un peu plus tard. Peut-être pour le goûter chez Amélie, parce qu'on va prendre le goûter chez elle. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai terminé de préparer mon bourguignon pour demain soir. Donc je le mets dans la mijoteuse à basse température hein, jusqu'à demain. Donc j'ai fait oignon, ail, j'ai mis du thym, du paprika, des feuilles de laurier, carottes et la viande que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle. Donc voilà, là c'est prêt, je laisse jusqu'à demain. Là, ici, je prépare tout doucement pour le repas de ce soir. Donc, des aiguillettes de poulet que je fais revenir avec les oignons et l'ail. Et je ferai à la crème avec des champignons. Et je servirai avec du riz. Voilà. C'est tout ce qui va gagner. C'est bien. Bon les amis, je vous reprends. On est rentré à la maison. Il est 18h20. Je viens juste de mixer la soupe à la tomate. Vincent est à la maison. Il n'est pas très bien. Il a mal à sa gorge. Donc je vais lui faire boire de la soupe. Ça va lui faire du bien à sa gorge. Et il va prendre toute la panoplie de médicaments qu'il faut pour la gorge. Ouh, même moi j'ai froid. Franchement, le vent il est glacial aujourd'hui. Hein. Ouf. Et puis, moi aussi, je vais manger une petite tasse de soupe, là, j'en ai envie. Et après, je vais aller me faire couler un bon bain. La salle de bain est à moi aujourd'hui. Enfin, un moment tranquille, ça va être cool. Je vous fais montrer la soupe. Alors, je tremble un petit peu, hein. Je ne sais pas si vous vous sentez, mais j'ai froid. Voilà, ma soupe à la tomate. Elle est très très bonne, j'ai goûté. Elle est très très bonne. Donc des tomates bien fraîches, pommes de terre, oignons, ail, des épices italiennes. C'est cool. Et là, je vais faire ma viande après. Et puis après, on mangera. Je vais faire cuire du riz également. Allez, je sers Vincent parce que la soupe est chaude. Voilà, un bol pour Vincent. Et une petite tasse pour moi. On va se régaler. Elle est délicieuse. Bon les amis, je vous reprends pour vous terminer ce vlog. On vient de terminer de manger. On avait trop faim. On s'est régalé. Alors moi j'ai mangé une petite tasse de soupe qui était délicieuse.
Ensuite, j'ai fait du riz thaï avec des aiguillettes de poulet, champignons, sauce à la crème. Et on a terminé de manger. Donc là, je vais aller passer à la salle de bain. Vincent a très bien mangé aussi, il a bien mangé sa soupe. Donc ça lui a fait du bien. Mais là, il a son nez tout rouge. Il y a un gros rhume. Donc il est fatigué. Hein. Mais bon, c'est normal. Hein. C'est avec le rhume. Bon, voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Un bon appétit. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Peut-être, si tout va bien. On se retrouve demain pour un prochain vlog avec moi. À demain. Ciao.